Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo plus rapide que prévu parce que c'est une vidéo annexe à la vidéo précédente sur les petition papers, donc les fameuses requêtes, pétitions que on utilise dans le Houdou. Celle-ci, si on les voit bien, voilà. En fait, je vous ai fait plusieurs exemples, j'en ai plein à vous montrer parce que quand j'ai mis en ligne la vidéo, elle a été très appréciée, je vous remercie beaucoup. Mais effectivement, pas mal d'entre vous m'ont envoyé des messages en me disant « Ah, mais comment on fait pour l'argent ? Comment on fait pour l'argent ?» Alors ça m'a fait rire parce que on m'a dit l'autre fois, la personne se reconnaîtra, « Véro, t'as pas peur que à chaque fois dans tes vidéos, tu proposes quelque chose pour attirer l'argent, t'as pas peur qu'on croit que t'es une femme vénale ou quoi ?» Mais j'ai dit non, parce que en fait, c'est ce qu'on me demande tout le temps. Et donc, je me suis dit dans cette vidéo, j'allais changer, j'allais utiliser l'amour pour une fois. C'est vraiment un sujet que j'utilise très rarement. Et puis finalement, et bah, tout le monde est revenu à l'assaut en disant « Mais oui, mais si on peut faire pour l'argent, comment on fait ?» Alors bon, vous êtes adorables. Je vous fais donc une autre vidéo où je vais vous parler de l'argent, mais je vais vous donner aussi des exemples pour un tas d'autres choses. Vous allez voir, il y a la paix à la maison, le succès, trouver un travail, l'attraction, la prospérité, éloigner un ennemi, etc. Et donc voilà, je vous ai fait plusieurs petits exemples et puis on va les voir ensemble. Alors, je réitère une fois sur cette vidéo, vous écrivez soit en anglais, soit en français. Au niveau de la culture du houdou, c'est américain à la base. Donc, c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'anglais. Mais ensuite, si on n'est pas à l'aise avec ça, il faut utiliser sa propre culture. Si vous, c'est en français, bah, tant mieux. Si par exemple, votre langue maternelle est l'arabe, et que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise en arabe qu'en français, eh bien, revenez à vos racines, à votre culture, et vous pouvez écrire votre pétition en arabe si vous voulez, ou en chinois, ou en espagnol, ou bref. Donc moi, c'est vrai que je me sens très proche de l'anglais, et donc j'aime bien les écrire en anglais. Mais pourtant, je n'ai pas de racines anglaises, je ne crois pas, mais depuis petite, je me sens de là-bas. Donc, je suis très à l'aise, donc je les fais comme ça. Mais vous les écrivez avec la langue que vous voulez. Donc, je vous en ai fait une première pour la protection. Alors, il faut que je coince ça là parce que c'est avec le vent. Pour ces exemples, je vous ai repris l'exemple en rond. Avec le rond autour façon calligramme. Donc là, c'est pour la protection pour soi. Ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour un groupe. Donc, le nom qui va être en dessous, là où vous voyez marqué Ange de Gaïa, vous allez marquer votre nom ou le nom de la personne que vous voulez protéger, ou le nom du groupe que vous voulez protéger. Ça peut être un groupe de, j'en sais rien moi, de défense des animaux, hein. On va prendre L214, vous voulez qui est la protection sur L214, eh bien, vous mettrez le nom de l'association, du groupe, tout ça. Viens mon Sad, viens Sad, viens Sad. Oh oui, oui. On n'a pas des vies faciles, hein. Alors, ensuite, en travers, vous allez marquer protection. Donc moi, j'ai marqué protection, protection, protection. Et puis, autour, alors protection ou protection. Et puis, autour, vous allez marquer donc soit protège-moi ou protect me, comme la chanson de Placebo. Donc ça, c'est pour la protection. Ensuite, vous avez... le petit chat qui s'amuse. Ensuite, vous avez la paix à la maison. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remarqué pareil, j'ai mis Ange de Gaïa. En travers, j'ai marqué maison. Et puis, tout autour, j'ai marqué apporte la paix. Donc, en anglais, vous pouvez marquer donc home. Et puis, autour,
peace at home ou harmonie dans la maison, apporte la paix. C'est vraiment, il faut que ce soit de toute façon, comme je vous ai dit, positif et pas je veux que ou quelque chose comme ça. Il faut que ce soit un peu, un petit peu comme un ordre, quoi. On peut souligner ça comme ça. Donc c'est un peu plus comme une injonction, on va dire. Hein. Mais on est, bien sûr, on est toujours dans le respect. Hein. On donne d'ordre à personne. Hein. Donc là, voilà, je l'ai fait pour moi, ma maison. Mais si vous voulez le faire, donc pour vous, bah, vous remplacez Ange de Gaïa. Si vous voulez le faire pour quelqu'un d'autre, vous mettez le nom de la personne avec sa maison. Vous pouvez aller très loin, hein. Si c'est une caravane ou je ne sais pas quoi, vous pouvez mettre la caravane pour cibler, mais c'est en fonction de votre intuition, hein. Toujours, c'est ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo, il faut d'abord vous écouter vous et puis laisser faire aussi votre imagination, donc c'est très 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 important. Donc ça voilà pour la maison. Ensuite, vous avez pour le succès, donc pareil, j'ai mis Ange de Gaïa. Et puis, en vertical, j'ai mis « success », donc le succès. Et puis, tout autour, j'ai écrit « apporte-moi le succès, apporte-moi le succès, apporte-moi le succès, apporte-moi le succès ». Donc après, le succès, ça peut être pour une affaire. Par exemple, vous créez une entreprise. Eh bien, vous allez mettre la 7 Days Candle Better Business, par exemple, et puis vous allez mettre votre pétition en dessous. Ça peut être le succès pour... vous allez à une soirée, hein, je ne sais pas, c'est le jour de l'an, vous savez que vous allez rencontrer beaucoup de personnes, pourquoi pas votre âme sœur, et puis bah, tout simplement, vous avez envie d'attirer à vous les gens, quoi, ou en tout cas d'avoir du succès. Vous pouvez aussi prendre une 7 Days Come to Me, par exemple, et puis mettre votre pétition en dessous pour vous espérer du succès à cette soirée-là, par exemple. Hein. Ensuite, vous avez un autre exemple, c'est pour la prospérité, donc la prospérité en tout genre, c'est pour tout vous amener, hein, que ce soit des gains ou des biens. Donc pour la prospérité, donc là j'ai fait la feignante après pour les autres modèles, j'ai juste fait un rond. Donc pareil, Ange de Gaïa, et puis en travers j'ai marqué prospérité, donc vous pouvez mettre aussi prospérité bien entendu, et la petite phrase autour, vous pourrez mettre quelque chose comme rends-moi riche, augmente mes gains, augmente mes biens matériels, des choses comme ça, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop à rallonge, hein, d'accord, il faut essayer de trouver toujours plus court. Donc ça c'est pour la prospérité, pareil. Si c'est pour une autre personne, vous mettez son nom. Si c'est pour un couple, parce que vous souhaitez la prospérité à un couple, ou qu'un couple vous demande un rituel de prospérité, ben vous mettez le nom de la femme, slash le nom de l'homme, et puis en travers, prospérité, etc. Apporte-leur la prospérité, ou augmente leurs gains, etc. Ensuite, vous avez, attention, attention, vous l'avez tous demandé, eh bien oui, c'est l'argent. Alors, pour l'argent, tout bête aussi, j'ai mis mon nom trois fois et en vertical, j'ai mis argent. Donc, en anglais, money. Ensuite, vous pouvez mettre la petite phrase, finance-moi, si c'est parce que vous voulez avoir un crédit. Eh bien, dans ces cas-là, vous allez mettre finance-moi. Tout simplement. Et donc vous allez mettre ça dans un mojo bag de prospérité par exemple, ou pareil lié à l'argent, hein, ou alors sous une 7 days relative aussi à l'argent. Voilà, c'est vraiment en fonction de votre demande, hein, toujours. Donc voilà, finance-moi, apporte-moi de l'argent, ou alors vous pouvez mettre aussi tout autour besoin urgent. Ça veut dire que là, par exemple, vous êtes vraiment dans une impasse avec quelque chose à payer impérativement. Vous mettez juste money avec votre nom en dessous pour que l'argent soit au-dessus de vous et puis autour besoin urgent. Et puis, vous pouvez mettre ça dans un sachet magique relatif à l'argent avec
tout ce qu'il faut pour que vraiment ça presse, qu'il y ait l'argent qui rentre vite. Dans ces cas-là, pour l'argent, de toute façon, on essaye toujours de coupler le rituel avec une pierre de type magnétite ou lodestone. Voilà, donc ça c'était pour l'argent. Ensuite, on a un autre exemple, c'est le travail. Donc pour le travail, j'ai mis pareil, ange de Gaïa. En travers, j'ai mis job. Et puis tout autour, on va marquer apporte-moi un emploi, par exemple. Trouve-moi un emploi. Si vous avez déjà passé votre entretien et puis qu'on vous dit, on ne sait pas, on va vous rappeler, il y a d'autres personnes à voir, vous pouvez faire cette pétition pour l'emploi et la mettre avec une 7 days relative à la réussite, à Come to Me ou à la avec une huile ou une poudre qui soit relative à l'attraction. Ou alors vous pouvez, dans ce cas-là, faire une pétition success avec une 7 days candle job, avec de la poudre et de l'huile qui puisse amener soit de l'argent parce que vous avez besoin de ce travail en travail alimentaire, c'est très urgent, soit attraction, etc. Ensuite, on a, attraction. Donc ça, c'est pour la popularité. Hop. Alors pour la popularité, en fait, pour être, je dirais, pour briller un petit peu en société, tout ça, on peut utiliser succès, mais là on a vraiment l'envie de magnétisme, d'attirer les gens à soi pour briller, simplement, pas pour obtenir quelque chose spécialement, mais pour briller parce que ça nous fait du bien. Et bien vous pouvez faire une pétition dans ce, en ce sens-là. Donc pareil, ange de Gaïa, et puis en travers on va marquer attraction, et puis pour la petite phrase, par exemple, rends-moi populaire, ou rends-moi populaire, rends-moi irrésistible, rends-moi attractive, attractif, à vous de voir. Et ensuite vous avez un petit plus, parce qu'en fait on m'a souvent posé la question par rapport au problème d'infertilité de certaines femmes ou de certains hommes. Donc c'est vrai que c'est un problème, c'est quelque chose vraiment de très délicat quand on a véritablement le besoin d'enfanter. Et donc je me suis dit que j'allais vous montrer un petit exemple, ça pourra vous servir à vous ou peut-être à quelqu'un d'autre que vous connaissez. Donc j'ai repris l'exemple avec Julien Calin. Donc vous voyez marqué ange de Gaïa / Julien Calin trois fois. En travers, j'ai marqué fertility, donc vous pouvez marquer fertilité. Et puis tout autour, vous allez pouvoir marquer votre petite phrase. Donc vous voyez un petit 1 et un petit 2, c'est tout simplement parce que si par exemple c'est moi qui ai un petit problème au niveau de ma fertilité, je vais me mettre moi en premier. Mais si par exemple c'est Julien Calin qui a un petit problème au niveau de sa fertilité, c'est lui qui va aller en premier. Après, si on ne sait pas trop et qu'on n'a jamais fait d'examen, c'est pas grave, vous pouvez mettre dans l'ordre que vous voulez. Ça c'est juste un petit truc. Et puis donc pour les mots à écrire autour, donc ce sera soit par exemple apporte-moi un enfant, aide-moi à enfanter, ou alors déclenche une grossesse, etc., etc. Et pareil, hein, vous allez écrire donc ces mots, vous allez les écrire tout autour. Voilà, donc c'était les quelques exemples que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous permettra de faire vos pétitions sans le moindre problème. Voilà, je vous dis à très 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 bientôt et je vous souhaite de bonnes pétitions. Au revoir.